nombre de tournois gagnés. Et vous venez de le dire, là, on est encore gagné, en train d'en gagner 8 ici. Bon, Federer, mais on voudrait aussi voir. Au service. Ça commence bien. Le Suisse. Première amortie du jour. En plus, il ne les manque pas, ces amortis. Oh, incroyable. Incroyable parce qu'il était parti de loin. La... traditionnel deuxième coup de raquette du Suisse derrière son service. En général, ça ne part. Et oui, c'est. Je crois que c'était. Je sais plus exactement combien, mais il y avait une vingtaine de balles de break qu'il n'avait pas pu convertir. Et là, il a breaké d'entrée. Après, c'est très. Même comme tout un chacun, un peu vulnérable dessus, c'est bien retourné encore. Il n'a pas raté en retour. Voilà, c'est là que Titi passe. Parti bien, celui-ci, premier jeu, remporté par Titi. La balle n'est pas centrée, mais s'il attend la fin du set ou le deuxième set pour l'essayer, c'est certain qu'il n'en réussira pas beaucoup. Il perd le second, effectivement. Premier essai. Non, il est resté dans la raquette. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de gens frustrés, parce qu'au deuxième set, ils se sont dit, ça y est, il va s'envoler. Oui, il a eu pas mal d'occasions. Et là... Il a breaké d'entrée, comme quoi hein, le match se suit. Une boucle vers le haut et ensuite le bras qui se tend progressivement vers la balle. Ça, c'est des coups de patte fabuleux. Ouais, risqué là. Oui, parce qu'il était 7ème hein, oui. Du tournoi. C'est exceptionnel. Hein. Il trouve des zones. Somptueux. Quel point là. À tenir sur la jambe droite, à tenir le buste, à tenir le bras. Game Federer. Toujours impeccable sur ses mises en jeu. C'était du bluff un petit peu. Oh, qu'elle est belle. Comment il se pose. Plus confortable à l'intérieur du court. On va voir, Federer, vous savez, dans la majeure partie des cas, les... Et ça marche très bien. Enchaînement, service volé, encore un jeu, service parfait et énormément de premiers en jeu. C'est bien joué. Parra qui cherche souvent à la placer quand il est un peu débordé. Exact. Qu'est-ce que c'est bien joué. Justement des petits pas chers à Hervé Dutu qui, j'en suis certain, ne manque pas une bribe de cette finale. Allez, mais la pression encore en haut, filet Roger. Quatre petits points perdus. 15 marques. Il démarre de la même manière. Le couloir, il sert la ligne médiane. Deuxième. 30 marques. Deuxième et troisième ace pour démarrer ce jeu. Je crois qu'il allait servir des croisés, et ben non. Deux ace, un service gagnant, et déjà. Et encore le slice. Très bon retour de la part de Tsitsipas. Magnifique. Ouais, magnifique de la part.
Ça va sortir. Et le scénario improbable. Il prend un peu moins de risques hein, sur son coup droit, c'est logique. La vitesse à laquelle honnêtement marqué, non. Ça va venir. Ouais, service au corps et Federer qui s'encourage pour la première fois. Et voilà, c'est fait. Là encore, il s'est exprimé Roger Federer. Est-ce qu'il accélère bien au coup droit? Et lui, le contre, énorme. Pertinente. Je vais vous en donner une juste après ce point. Ce sera un ace. Il nous rappelle que Roger Federer n'a plus perdu une finale. Pour son adversaire. Il est bon le retour. Magnifique. 30-50. Quel volet encore. Quel volet. Quel volet. Ah, Game Feather. Il tournerait un peu plus sur la fin. Parfait. Parfait, très bon service, il a beaucoup mieux servi hier. C'est bien répondu ça. Il est bien filé tout de suite. Il a réussi à rebondir. Encore. Oh là, c'est volé. D'autres choses. Plein d'autres choses, des temps de réaction, des coups d'œil, des rythmes, des physiques pour se placer au moment de haut niveau. Et un jeu blanc cette fois pour Roger Federer. Celle-là par contre, il va falloir progresser ça. Parce que si vous laissez embarquer en toupie, vous êtes fichu. Super bon en service. Oh, et c'est un jeu tranquille. Oui, tenu. Ce coup droit qui ne lâchait plus. Yeah. Qu'est-ce que c'est bien contre-attaqué de la part de Tsitsipas. Fait de côté, eh oui. Étonnant d'ailleurs de la part de Fed. Bien accéléré encore, il est très à l'intérieur. Encore en passant. Oh, à quel point encore énorme, ça joue à... Et le duo Séverin Lutti, Daniel Troxler qu'on a aperçu. Daniel Troxler le kiné. Ouh, le coup droit qui faute. Et la faute en coup droit. Oh là là, il passe complètement à côté de cette fin de jeu. Tsitsipas qui offre sur un plateau. C'est sûr. Mais aussi, quel jeu de Federer et quel point à un moment ultra important. Ouais, c'est une minute. Tout à fait d'accord. Écoute, on joue du match. Mais en tout cas, là, celui-ci a été vraiment offert.
joueuse. Encore une fois, venu au filet pour... Et 3 balles de match, 3 balles de titre pour Roger Federer. Et c'est fait pour Roger Federer. Toire à balles en octobre dernier et il y est parvenu face à un Tsitsipas un petit peu fatigué aujourd'hui qui malheureusement quelque chose d'incroyable à son palmarès. J'avais eu la chance, Jean-Paul, de commenter sa... son